immigrants accroupis attendaient sur le pont, au milieu de leurs bagages, jetant des regards remplis d'un sentiment mitigé sur leur nouvelle patrie, cherchant à deviner s'ils y trouveraient une petite place. Mon immigration de masse, ou comment j'ai envahi Israël en 1949. La chose à éviter, écrivait mon oncle Jacob, est d'entrer dans un kibbutz, parce que tout le monde n'y parle qu'hébreu. Le mieux, c'est de t'installer avec moi ou ta tante Ilka. J'ai alors mis à profit le voyage en haute mer pour m'initier à l'alphabet hébraïque et maîtriser particulièrement bien le lamed. De plus, je savais prononcer les trois mots les plus importants, shalom, toda, kibbutz. Mon vocabulaire incluait aussi inshallah, sans bien savoir ce que cela signifiait. Accroissant sans cesse mes connaissances, je lus le dictionnaire hébreu jusqu'à même. L'avenir me semblait rose. À vrai dire, la nourriture sur le bateau avait été assez quelconque, consistant principalement en filets de poisson et olives noires. Sauf pour le Shabbat et les fêtes religieuses, où nous avions droit à des olives vertes. Juste avant qu'on jette l'ancre, on nous servit du filet de poisson et une poire. Aussi entonnâmes-nous avec un enthousiasme frénétique « Evenu, shalom, toda, kibbutz !» La chaleur nous incommoda très vite, jusqu'à ce qu'on nous explique qu'il ne s'agissait en réalité que d'humidité. Nous nous sentîmes tout de suite beaucoup mieux. Nous n'en continuâmes pas moins, naturellement, à vitupérer le gouvernement qui nous infligeait un tel climat. Un peu d'hystérie n'a jamais nui à une immigration de masse, si vous voulez mon avis. Après deux petites heures d'attente, une personnalité pittoresque monta à bord pour nous transmettre les compliments de la Galilée, au nom de l'agent juive. À son initiative, nous chantâmes Atikva, notre hymne national, dont nous ignorions les paroles. Aussitôt après, nous demandâmes à l'officiel où nous allions nous installer. Certains migrants avaient l'intention de s'installer à Tel Aviv, ou rien. D'autres, plus conciliants, voulaient bien se contenter de la plus proche banlieue. De mon côté, j'avais opté pour un baraquement de tôle dans un camp de transit proche de Haïfa, que je partagerai avec un conducteur d'engin tripolitain nommé Salah et ses 15 enfants en bas âge. Là, au moins, je n'avais pas de famille. À présent, l'on nous autorisa à débarquer. Une petite table avait été installée sur le quai, éclairée d'une ampoule dénudée. Dans la lumière parcimonieuse, un vétéran de l'agence juive était avachi sur une caisse retournée. Son statut d'ancêtre, affiché par son bourgeon kaki et son yiddish. Nous étions tous surexcités. Enfin, notre première queue chez nous. Quelques heures plus tard, je touchais le port, à savoir la table. L'employé kaki m'adressa un regard morne au-dessus de ses lunettes. Non. Kishont. Ferenc. Répondais-je sincèrement ému. L'homme montra des signes d'impatience. Lequel est le nom de famille ? Kishont. Kishon. Murmura l'autorité entre les ruines de sa denture. Il écrivit la chose sur le formulaire de droite à gauche. Ah non, non ! Pas Kishon, Kishont, avec un T à la fin. Kishon. Prénom. Ferenc. Le vieillard me coulissait un regard surpris. Ephraim. Ah non, 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 pas Ephraim. Ferenc. Ferenc, s'il vous plaît. Ce nom-là n'existe pas. Allez, au suivant. Je crois que c'est à cet instant précis que j'ai commencé à écrire des histoires humoristiques, croquer mes déboires et dessiner mes compatriotes. Après un tel départ, difficile de s'arrêter.
tuteur me convoqua et s'exprima en ces termes choisis. Bon, alors écoutez, mon vieux, avant de commencer à écrire un nouveau bouquin, je voudrais que vous réalisiez que plus personne ne lit dans ce pays. Oh, et n'exagérons rien. J'ai entendu dire qu'à Haïfa, il y a un vieux couple qui achète plusieurs bouquins par an. Bon, c'est possible. Non, c'est possible, j'en ai entendu parler moi-même. Mais on ne peut pas faire vivre toute une maison d'édition sur le dos de deux uniques clients. C'est pourquoi je voulais vous suggérer d'écrire, vous aussi, pour les enfants. Voilà. À l'école, ils les obligent à acheter des livres. Bon, ben, ok. Ah, ok, je vais écrire un livre d'enfants. Alors, qu'est-ce qui se vend en ce moment ? Les animaux. Ah, ben, d'accord. Eh ben, alors, je vais écrire l'histoire d'un animal quelconque. Lequel ? Alors, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Voyons. Ben, je vais parler d'un chevreau. C'est mignon, ça, non ? Un petit chevreau. Chevré, fils de Blanche Chèvre. Alors ne vous leurrez pas, mon vieux, c'est du réchauffé. Les aventures de Chevré le Chevreau. On en a vendu 8 éditions. Une gentille histoire, hein, d'ailleurs. Chevré le Chevreau s'échappe de chez lui, part pour la ville en jeep, mais après des tas d'aventures, il comprend qu'il n'y a rien de mieux que la maison, et puis il revient auprès de Chevrette Blanche, sa maman. Il faudra que vous décotiez un bestiau plus rare, mon vieux, hein, parce que les livres pour enfants en ont déjà utilisé des paquets. Pourquoi pas un ourson ? Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai sorti le dernier de la série, Nounours, l'ours polaire. Nounours s'échappe de chez lui, grimpe sur un iceberg, mais à la fin, il comprend qu'il est mieux auprès de sa mère et il rentre à la maison. Tout a déjà été fait, mon vieux. Tout. Chat, chien, vache, papillon, daim, zèbre, antilope. Et la hyène ? Alors, trop tard. Yéyé la hyène part en voyage. 16 éditions. Elle part de chez elle et... voilà, c'est ça, en jeep. Vous devrez trouver autre chose. Un fourmilier ! Alors, c'est déjà un best-seller, ça. Foufou, le fourmilier à Tel Aviv. Il s'échappe de chez lui. Un alligator ! Alligagat et les 40 voleurs. Aventure d'un jeune alligator qui abandonne stupidement ses parents. Et il revient ? Oui, c'est ça, en jeep. Mon éditeur m'amena dans la réserve où il se mit à farfouiller dans les rayons. C'est difficile de trouver un animal libre. Hein. Regardez, Fofo le faucon aux Jeux Olympiques, Coco le joyeux colimaçon, et l'histoire de Tata le tatou tatoué, qui s'échappe de chez lui pour devenir matelot. Oh, je le tiens ! Un asticot ! L'asticot astucieux, une histoire passionnante. Hein. Il s'embarque sur un cargo, bah, comment il fait ? Bah, il se glisse au milieu d'un chargement de jeep. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, je crois qu'il ne me reste plus que la punaise de bois de lit. Eh non, pupu la punaise piquante, ça vient de sortir. Elle s'échappe de chez ses parents par la porte de derrière. C'est pas mauvais du tout. Et les serpents ? Ah, ça marche bien, les serpents. Hein. Vivi, la petite vipère, elle devient la copine du fils des voisins et ils s'échappent ensemble. Elle et Moumou le moustique. Une carpe ? Caro, la carpe bavarde. Des moules ? Non, Moumou la moule et Molly. Elle et sa sœur jumelle. Ils s'évadent de leur coquille, mais après des tas d'aventures, elle rentre à la maison où il fait plus chaud. Oh ! J'ai trouvé une éponge ! Le visage de mon éditeur s'épanouit. Excellent ! J'ai pas l'impression que ça a déjà été fait. Mais il faudra vous dépêcher avant que quelqu'un nous pique l'idée et sorte le bouquin sous notre nez, hein ! Faites-moi confiance. Voilà, vous pouvez commencer à faire imprimer les jaquettes. L'éponge, capitaine de pompiers. Allez-y, perdez pas de temps. Je viens de terminer le premier épisode de la série. Je suis pas mécontent du tout. Pompon s'échappe de chez elle pour devenir pompier à Jérusalem. Mais après toutes sortes de mésaventures, elle regagne le foyer familial. Je lui fais piloter une jeep. L'originalité ne m'a jamais fait peur. Qui vit dans un ananas dans la mer ? L'éponge carrée. Qui compte bien y faire carrière ? L'éponge carrée. Si vous avez un souhait, qu'il faut-il appeler ? L'éponge carrée. Qui n'a pas peur des gros méchants poissons ? L'éponge carrée. L'éponge carrée. L'éponge carrée. L'éponge carrée. L'éponge carrée. Un soir. Il n'y a pas très longtemps, alors que nous nous assoupissions tranquillement sur nos suppléments littéraires, on sonna à la porte.
ma femme chérie tressaillit aussitôt et se tourna vers moi et dit « Va ouvrir ». Alors, obéissant, je trouvais les grosses piétinant mon paillasson, Dove et Lucie Grosse, un gentil petit couple, en pantoufles. Ils se présentèrent et s'excusèrent de nous déranger à une heure aussi tardive. « Bon, on habite de l'autre côté de la rue, là. On peut entrer un instant ?»« Bah, je vous en prie. » Ils allèrent directement dans la salle de séjour, contournèrent le piano et stoppèrent devant la table à thé roulante. « Bah, tu vois, c'est pas une machine à coudre !»« Ah bah d'accord, tu gagnes. Mais mardi dernier, c'est moi qui avais raison. Ils ont pas l'encyclopédia Britannica. »« Mais j'ai jamais parlé de Britannica. Tout ce que j'ai dit, c'est encyclopédia. Et aussi qu'ils sont terriblement snobs, hein. » Ben, dommage que je t'ai pas enregistré, hein. Heureusement que j'ai pas enregistré ce que tu as vraiment dit, hein. Ouais, d'accord, ok, c'est dommage, en effet. Réalisant qu'une dispute s'annonçait, je proposais que nous nous asseyions tous bien gentiment et réglions le problème comme il s'y est entre adultes éclairés. Dove enleva son imperméable et apparut en pyjama bleu, rayé. On habite juste en face, là, au 5e étage. On a des jumelles extra, hein, que j'ai achetées l'année dernière à Hong Kong. Ah oui, d'accord. Ah, c'est les Japonais, ils fabriquent vraiment des choses fantastiques. Hein. Agrandissement maximum. Tout est grossi 20 fois. Avec nos jumelles, nous pouvons voir jusqu'au plus petit détail de votre appartement. Alors hier, Dubby, c'est le petit nom que j'ai donné à mon mari, s'est conduit comme une mule stupide. Il m'a juré que le truc noir à côté du piano était une machine à coudre. Je lui ai parié que non, parce que je voyais parfaitement un vase de fleurs posé dessus. Pour en finir, je lui ai dit, tu sais quoi, on va aller les voir, on saura bien qui avait raison. Bah alors, vous avez bien fait. Autrement, la discussion n'aurait pas eu de fin. Vous n'avez pas d'autres problèmes à mon sujet ? Dove soupira. Ouais, juste le rideau. Quand vous tirez ce rideau de crotonne à fleurs devant la fenêtre de votre chambre à coucher, on ne peut plus voir vos pieds. Bah nous le tirons parce qu'il y a un courant d'air, c'est l'unique raison, je vous jure. Bah c'est pas un reproche, hein. Vous savez, vous n'avez pas à vous occuper de nous, après tout, hein, c'est votre maison. La glace étant définitivement rompue, ma femme apporta du thé et des gâteaux secs. Dove, étrangement, se mit à promener son index sous le plateau de la table. Je me demande si ce bout de chewing-gum là est toujours là. Du chewing-gum rouge, si j'ai bonne mémoire. Pff, ridicule, il était jaune. Rouge ! Il recommençait à s'engueuler. C'était très embarrassant. Est-ce que des gens civilisés ne peuvent pas parler 5 minutes sans en venir aux mains ? Finalement, il s'avéra que le chewing-gum était vert. Match nul. Dove expliqua. Ah, hier soir, c'est votre invité là, qui l'a collé dessous. Ce grand type bien habillé, quand votre femme est partie à la cuisine, il l'a tiré de sa bouche, il l'a regardé partout pour voir si on ne l'observait pas, et puis toc, sous la table. Ma femme émit un petit rire constipé. Oui, c'est merveilleux, en fait. Vous voyez vraiment tout. Ah ben, vous comprenez, on n'a pas la télé. Alors on est bien obligé de nous rabattre sur les ressources locales. J'espère que ça ne vous ennuie pas. Hein. Non, naturellement. Ma petite chérie servit des sandwichs et des fruits. Dove leva un doigt sentencieux. Ouais, devriez surveiller le type en tricot de corps qui nettoie vos fenêtres, là. Il sert de votre déodorant dans la salle de bain. Ah bon? Mais vous voulez dire que vous regardez, vous pouvez voir dans la salle de bain? Ah non. Bah non, juste un petit bout de douche, quoi. Vous trouvez ça comment? Ah, ça manque d'action, quoi. Ils nous parlèrent ensuite de la grosse fille qui vient garder les enfants pendant le Shabbat. Ah, dès que les gosses sont endormis, elle s'enferme dans votre chambre avec un étudiant à lunettes. Mais la vision est bonne dans la chambre? Pas mauvaise. À part cette saloperie de rideau, la crotonne va à fleurs, comme je vous ai dit. La lumière est suffisante ou... Alors, pour vous parler franchement, pas tout à fait. Quelquefois, on distingue que vos silhouettes dans le lit. Et naturellement, c'est impossible de prendre des photos. Je crus bon de m'excuser. La lumière, ben, c'est seulement pour lire. Nous lisons beaucoup au lit. Ah, je sais. Même parfois que ça nous fiche les boules, hein, si vous voulez savoir. Mais Dove, pas besoin de leur chercher des noises, ils font ce qu'ils veulent. Elle nous révéla alors que la scène préférée se situait le soir, quand mon épouse couche la petite Reina et lui fait un gros bisou sur son petit derrière tout mignon, tout joufflu.
C'est un vrai plaisir de voir ça. Dimanche dernier, nous avions un couple d'amis canadiens, des décorateurs d'appartements. Ils sont tombés d'accord pour nous pour dire qu'ils n'avaient jamais rien vu de plus charmant. Ils ont promis de nous envoyer un télescope, un vrai, sur trépied. Grossissement 40 fois. Mon mari voulait acheter aussi un de ces micros, la directionnelle, vous savez, qui permettent de tout entendre à distance, mais je lui ai dit qu'il va mieux attendre pour avoir quelque chose de vraiment perfectionné. Mais vous avez tout à fait raison. Il ne faut jamais lésiner sur ces choses-là. Dobby se leva et fit tomber les miettes de son pyjama. On est ravis d'avoir fait votre connaissance pour de bon. Et il me chuchota discrètement à l'oreille. Hey, surveillez votre ligne, mon vieux. Là. Vous payez une sérieuse brioche. Hein. Merci. Bah, c'est bien naturel. Si je peux vous rendre service, pourquoi pas le faire hein. Et alors, si c'est possible, le rideau de cretonne à fleurs. Mais bien sûr, mais soyez tranquille. Nous promîmes de nous revoir et un petit moment plus tard, une fenêtre s'éclaira dans la maison d'en face. Aussitôt, le fier visage de Dobby apparut à la vigie, réglant ses lunettes, ses jumelles de Hong Kong. Nous lui fîmes un signe amical auquel, je pense, il répondit. Des gens sympathiques, remarqua ma femme, et sans cérémonie. Tu trouves pas, Ephraim ? Ah bah oui. On a établi d'excellentes communications avec eux. Sur quoi ? Je fermais soigneusement les volets. Était jubilante car le spectacle serait un gros succès. C'est alors que Kunstetter suggéra, je m'en souviens parfaitement, si on allait manger un morceau. Nous avons réagi avec une joie sans mélange. Quelqu'un mentionna le nouveau restaurant Balalaika où la cuisine française est raffinée. Bien que nous fussions conscients du fait que les prix étaient très élevés dans une cantine aussi chic, le spectacle nous avait tellement mis en joie que nous décrétions que ce n'était pas le moment de se montrer radin. Les serveurs rassemblèrent 6 tables pour nous. Et c'est alors que nous remarquâmes que nous étions une bonne vingtaine, parmi lesquels bon nombre de parfaits inconnus. Nous commandâmes les entrées et le plat principal, bien que les prix sur la carte confirmèrent nos pires inquiétudes. Mais la nourriture était succulente. Les vins capiteux, la conversation brillante. Alors pourquoi s'en faire ? Je venais de terminer mes côtelettes panées quand ma femme me fit du pied sous la table. Ephraim, regarde. Mon regard parcourut la longueur de la table. Curieux, plusieurs chaises étaient devenues vacantes. Ceux qui les avaient occupées avaient apparemment terminé leur repas et disparu. Cependant, il restait 12 personnes, en nous incluant. Je regardais autour de la table. Le maître d'hôtel, dans un smoking brillant, se tenait dans un angle stratégique et prenait des notes en fronçant ses sourcils broussailleux. Je revins à mes compagnons de fête. Ils semblaient tous légèrement contractés. Une angoisse cachée clignotait dans leurs yeux. Une angoisse qu'on ne peut totalement exprimer par des mots, mais qui signifiait à peu près « Qui va payer l'addition ?» Le comptage suivant ne totalisa plus que 10 convives. Un autre couple avait filé à l'abri de l'éclairage intime. La conversation languissait, une tension insupportable s'emparait de nous. Personne n'osait regarder son voisin en face. On pouvait entendre des engrenages cliqueter dans nos têtes. Nous supputions le montant probable des dégâts. Graduellement, les regards convergèrent sur Kunstetter. D'un point de vue strictement moral, il était juste qu'il paye. Après tout, ça avait été son idée, cette stupide invitation d'aller manger un morceau. Quels avaient été ces termes exacts déjà ? Voyons. Venez, mes amis, avait-il dit, venez dîner ce soir, les enfants ? Ou alors des mots identiques. Ben, sans aucun doute, c'était lui notre homme. De plus, il était honnête, il paierait. Tous les regards convergèrent sur Kunstetter. Kunstetter acheva son repas avec un calme déconcertant et commanda du café.
nous retîmes notre souffle. Nos narines palpitaient si Kunstetter se tournait vers nous maintenant et demandait « Du café, tout le monde ?» Cela établirait sa responsabilité, son statut d'hôte et son désir d'en assumer toutes les conséquences. Mais Kunstetter sirota son café, le visage impassible, en parlant à sa femme. Pendant ce temps, quelques rats de plus avaient abandonné le navire. La liste des passagers s'était amenuisée à 7 malheureux. Mais qui va payer ? Notre brillante conversation de tout à l'heure n'était plus qu'un souvenir. De temps en temps, nous échangeions quelques vagues remarques sur les événements et les derniers divorces en ville, mais c'était qu'un prétexte pour passer au stade du « chacun pour soi ». À partir de maintenant, chaque nouvelle désertion augmenterait le danger d'avoir à payer. Il devenait évident que tous les survivants étaient conscients du péril. Alors une terrible chose arriva. L'un des otages, Ben Sion Ziegler, se leva avec une nonchalance affectée et dit « Excusez-moi, il faut que j'appelle le bureau ». Et à pas soigneusement mesuré, il disparut de notre champ visuel. Une sueur froide ruissela entre nos omoplates. Nous venions de réaliser qu'il était venu seul, sans sa femme, bénéficiant ainsi d'une plus grande liberté de mouvement. Ben Zion Ziegler ne revint jamais. Qui va payer ? Plusieurs autres coups durs accrurent la tension. Personnellement, je me dis l'insouciance qui m'avait fait m'asseoir avec ma femme, le dos tourné au serveur, dans l'impossibilité de voir ce qui se complotait dans l'arrière-plan. Ça affaiblissait ma position au point de la rendre éminemment dangereuse. À tout moment, le maître d'hôtel pouvait surgir dans mon dos, l'addition sur un plateau, j'avais pas de place pour la manœuvre. Terrible ! Kunstetter sauta brusquement sur ses pieds, regardant sa montre avec inquiétude. Excusez-moi, pardon, la babysitter. Et avant que nous puissions rassembler nos esprits, il fila avec sa femme. L'ingénieur Glick ouvrit la bouche comme pour l'appeler, mais aucun son ne put sortir de sa gorge desséchée. La panique générale éclata. Kunstetter avait été notre ultime espoir. Après cette désertion, il ne restait plus que 3 couples d'infortunés. Les Glick, les Baronning et nous. Je regardais derrière moi. Le maître d'hôtel se tenait dans un coin sans nous perdre des yeux. De ma vie, je n'avais pas vu de sourcils aussi broussailleux. À combien pouvait se monter l'addition ? 20 côtelettes panées ! Mon Dieu ! Aucun mouvement. Ma petite femme chérie, blanche comme craie, étreignait ma main exsangue sous la table. Elle était glacée. En un éclair, je décodais son message. Baronning et Glick se mirent soudain à discuter avec une animation écœurante. Le sang me monta à la tête. Le moment de vérité était venu. Quelque part, dans les tréfonds du restaurant, un maître d'hôtel venait de se mettre en marche dans ma direction. Il ne me restait que quelques secondes. Mon cerveau travaillait fébrilement. C'était clair, les autres m'isolaient volontairement en prévision du choc. Le garçon allait venir, verrait que j'étais le seul individu disponible de la table, et naturellement, je fermais les yeux et décidais de tenter une finesse. Je n'avais pas le choix. Seul un bluff pouvait me permettre de sauver ma peau. J'allais faire croire aux deux autres que j'étais disposé à payer l'addition et gagner ainsi leur confiance, de façon qu'au dernier moment, quand ma main serait déjà dans ma poche, l'un d'eux avalerait l'appât et, conditionné par sa bonne éducation, esquisserait un geste et murmurerait « Hé, non, laissez, c'est pour moi. » Du coup, j'opérerai une retraite immédiate, mais je vous en prie. Et je lui abandonnerai la note. On appelle cette manœuvre le gambit de Haïfa. Parce qu'il a été mis au point par un industriel de Haïfa 2 ans plus tôt, au réveillon. Je me retournai donc et j'appelai d'une voix forte « Garçon, s'il vous plaît, l'addition !» Baronning et Glick se turent, agréablement surpris, se détendirent. Je tirai mon portefeuille d'un geste large de façon à dissiper les moindres doutes dans leur esprit et comptai intérieurement jusqu'à 3. 1, 2, 3. Mais cette nuit-là, le Haïfa foira totalement. Aucun n'avala l'appât. Ils restèrent aussi muets qu'un banc de poissons. Je les haïssais. Je soulevais l'addition avec 2 doigts et... « Signez simplement, me dit le garçon. Monsieur Kunstetter a tout fait mettre sur son compte avant de partir. Il y a 3 heures. » Thank you.
Schultes m'arrêta au coin d'Arzolor Street. Tu veux bien m'amener jusqu'à la poste, là, c'est très pressé. Je le fis monter. Schultes me semblait très nerveux. Je lui ai demandé ce qui se passait. M'en parle pas. Mon beau-frère m'a expédié une bombe atomique d'Allemagne. Quoi? T'es devenu sourd? Mais tu sais bien, j'avais lu dans un magazine que les Allemands ont réussi à fabriquer des engins nucléaires de manière aussi simple qu'économique. Mais de là, les envoyer par paquet de poste. Bah alors là, c'est très étrange, hein, si tu veux mon avis. Et par-dessus le marché, n'importe quel est moyen de s'en offrir une. Tiens, voici la lettre de mon beau-frère. PS, j'ai une petite surprise pour toi. Ce matin, je t'ai posté une bombe atomique. Amuse-toi bien. Signé Friedrich. Et il pousse le bouchon. Hein. Friedrich a toujours été généreux. Et moi, mais qu'est-ce que je vais faire d'une bombe atomique? Hein? Non, alors là, je sais pas, moi, j'en ai jamais eu. Alors, mais Béatrice me fait une tête comme une citrouille. Je ne veux aucune arme nucléaire à la maison. J'ai déjà assez d'ennuis avec le gamin. Et puis, pour une fois, elle a pas tort. J'aimerais pas du tout voir Dany jouer avec une bombe atomique. Ça me flanquerait la trouille. Il casse tout ce qui tripote. Bah, tu vois le tableau. Et puis cette bombe-là, où est-ce que je vais la planquer, moi? Dans le réfrigérateur? Crois-moi. Si Friedrich n'était pas tellement susceptible, je lui renverrais aussi sec. C'est une responsabilité, ces machins-là. C'est un gros souci, mon vieux. Je serais obligé de participer à toutes leurs conférences là, de désarmement. C'est idiot, quoi. Qui a du temps à perdre avec ces imbécilités? Puis je suis trop timide, moi. Je ne sais pas faire de discours. Et puis, j'ai qu'une seule bombe. Alors qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Que je la détruise? Bah, je le connais, ces gens-là. Mais non, je détruirai rien du tout. Comment je pourrais savoir s'ils ont détruit leur stock, eux aussi? Hein? T'as raison. Non, mais je te dis, Ephraim, avec leur invention à la flan, là, ils vont mettre le monde sans dessus-dessous. Hein. Un simple particulier ne peut pas supporter de telles dépenses. Ah bon? Lesquelles? Bah, l'assurance! Bah, tu m'excuseras, mais je peux absolument pas prendre le risque que cette bombe dans ma maison. Elle pourrait tomber par terre et puis se casser. Qui viendrait la réparer? Stock? Le plombier? Oh, hey, c'est une bombe toute neuve. Elle va pas se casser comme ça. Hein. Bah, j'espère qu'elle est garantie, non? Mais tu sais comme moi que ces garanties, elles ne s'appliquent pas aux catastrophes naturelles ou à des guerres. Ce qui est complètement ridicule. Hein. Quand est-ce que tu veux te servir d'une bombe atomique sinon pendant une guerre? Non, pourquoi? Parce que tu as l'intention de t'en servir. Et comment? Nous étions arrivés à la poste. Schultes paya 1 livre 46 de surcharge et 1 livre 26 de taxe de luxe. Attention, attention, dit-il au porteur, il y a une bombe dans le paquet. C'était un petit colis. Deux agents nous aidèrent à l'ouvrir. Le souffle court, nous en sortîmes une boîte, violemment bariolée, qui portait l'inscription « Vive l'atome! Une reproduction parfaite de la bombe atomique avec éclairs et sirènes, de l'amusement pour les enfants et les grandes personnes. » Friedrich est cinglé, hein, fulmina Schultes. « C'est pour l'anniversaire de Dany !» Et puis il ajouta avec un regard étrangement rêveur « Dommage, je m'étais habitué à l'idée. » Alors que les champs d'orangers d'alentour résonnent du ricanement des chacals et que le vent nous apportait des nuages houleux, Volkovitch se pointa sur mon seuil. J'étais content de le voir car il ne s'était pas manifesté depuis longtemps. Il n'avait pas changé. C'était toujours le même, sympathique et élégant Volkovitch, distingué, intellectuel. Mais je lui trouvais le regard triste. Il s'assit avec moi dans le jardin et accepta un verre. « Faut que je te parle, » me dit-il au bout d'un moment. « Bah, on est ici pour ça. Hein. »« Ouais, j'ai longtemps hésité pour savoir si je devais partager mon secret avec quiconque.
Après tout, je suis un retraité du gouvernement. J'ai une réputation à tenir, mais là, je peux plus garder ça pour moi, là. Faut que ça sorte, quoi. Je lui servis un autre verre. Qu'il vida. Ah, je ne sais pas par où commencer. Bah, tu me connais depuis longtemps, tu sais que je suis un être sain, équilibré, que j'ai toute la confiance de mes amis. C'est exact. Ouais. Mais enfin, crois-moi, là, je suis aussi abandonné que l'homme sur la lune. Bah, je suis célibataire parce que j'ai jamais trouvé chaussure à mon pied. Là. Je vis seul, sans personne. Pour être tout à fait franc, j'ai cherché toute ma vie un peu de chaleur, mais j'en ai jamais trouvé jusqu'à ce que Madeleine entre dans ma vie. Bah, tu sais, parfois on ne comprend pas tout de suite que le destin frappe à la porte. Ce jour-là, il sortit un petit carnet et le feuilleta. C'était le 3 novembre dernier. Quoi ? Ta liaison dure depuis 6 mois ? Ouais. Je me suis réveillé avec la fièvre. J'ai appelé le docteur qui m'a découvert un bon rhume et il m'a fait une ordonnance. Mon voisin est allé la porter au pharmacien et il est revenu avec une boîte. Et dans la boîte, il y avait une bouillotte. Une bouillotte pour l'eau chaude ? Ouais, en caoutchouc rose, avec un bouchon métallique. Alors rien de particulier. Mais aide-moi un peu, là, j'ai tellement honte. Ben pourquoi ? Après tout, c'est des choses si intimes, là, j'aime pas en parler. Quand je l'ai rempli d'eau chaude, pour la première fois, je me souviens parfaitement. Il pleuvait dehors, et puis chez moi, on gelait littéralement. J'ai posé cette bouillotte contre moi, là. Oh, la croix-le ou non, là. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai éprouvé un peu de chaleur près du cœur. Pour la première fois de ma vie, mais j'étais plus seul. Tu peux me comprendre ? Bien sûr. Oh, c'est difficile à exprimer par des mots, là. C'est là, immobile, contre toi. Une chose douce et chaude. Et son seul objet, bah, c'est de te rendre la vie agréable. Tu peux pas imaginer combien j'ai été reconnaissant à Madeleine, quoi. Pardon ? Bah, c'est comme ça que je l'ai appelé dès le début de nos relations. Madeleine. Bah, pourquoi Madeleine ? Bah, j'en sais rien. J'ai senti que je devais l'appeler comme ça. Et depuis ce moment-là, j'ai plus peur des orages puisque j'ai Madeleine avec moi dans mon lit. Tu ne trouves pas ça bizarre ? Ah, des tas de gens qui utilisent des bouillottes. Hein. Ah, il faut que tu me comprennes. Si j'ai froid aux pieds, je la mets sur mes pieds. Une douleur dans le côté, Madeleine adoucit la douleur. Et puis si j'en ai envie, je peux même la poser sur le ventre. Crois-moi, les possibilités sont pratiquement illimitées. Comme que tu étais amoureux d'elle ? Bah peut-être. Ouais. C'est pas encore bien clair dans mon esprit, là. Je pense que je suis un type dans le genre Pygmalion, tu vois. Tu sais le professeur d'anglais qui est tombé amoureux d'une statue d'Aphrodite. Crois-moi, je vois clairement la situation, là. Je me demande souvent comment c'est possible qu'un adulte sérieux, intelligent, devienne fou d'une malheureuse petite poche en caoutchouc, alors qu'il existe tellement de bouillottes plus grandes et de meilleure qualité. Mais c'est d'elle dont j'ai besoin, et pas d'une autre, voilà, ma petite Madeleine. Franchement, il m'arrive même d'être jaloux. Je peux pas m'en empêcher. Ah bon ? Mais quoi, elle t'a trompé ? Oui, une fois. Oh, c'était pas de sa faute. Un simple concours de circonstances. Au début de l'année, Madeleine a attrapé un trou. Dans ma folie, là, dans ma folie amoureuse, je la voulais de plus en plus chaude, et puis je l'ai remplie d'eau si bouillante que ça allait brûler un côté. T'imagines mon désespoir, je l'ai amené chez le meilleur spécialiste en caoutchouc du pays. Et là, une chose terrible est arrivée. Quand je suis revenu chercher Madeleine, cet escroc m'a rendu une bouillotte étrangère. Le charlatan avait mélangé les bouillottes. Je pense pas qu'il ait fait exprès, mais le résultat est le même. J'ai couru aux quatre coins de la ville jusqu'à minuit avant de retrouver Madeleine. Au lit, avec un négociant en beurre. Œuf,
et fromage. Consentante. Volkovitch ne put qu'incliner la tête sans mot dire. Depuis ce drame, je ne l'ai plus jamais laissé seul. D'un autre côté, je meurs d'inquiétude qu'il y arrive un nouvel accident de santé. Je me réveille en sursaut la nuit parce que je rêve qu'elle fuit. Mes angoisses ont atteint un tel degré que je suis allé consulter un conseiller matrimonial. Il m'a examiné, il m'a dit qu'il n'y avait qu'une seule solution, acheter une autre bouillotte. Parce que seule une nouvelle bouillotte pourrait contrebalancer l'influence morbide que Madeleine a prise sur moi. Ah bon? Ah ouais? T'en as acheté une? Ouais. Mais je ne l'ai jamais sortie de mon tiroir. Bah, je sais que la loi m'autorise à avoir deux bouillottes. Mais rien ne m'oblige à me servir des deux. N'est-ce pas? Non, 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 je crois pas. Non. Bah, tu vois, Madeleine et moi, on est unis pour la vie. Personne ne peut rien contre ça. Alors, écoute, permets-moi de te féliciter. C'est rare, une union aussi réussie, aussi parfaite. Ah. Ah, laisse tomber. Ah, laisse tomber, je t'ai pas vraiment donné la vraie raison de ma visite. Aussi difficile que ce soit, je dois te dire qu'il y a un nuage sur notre bonheur. C'est gênant de parler de choses aussi intimes. Mais tu vois, ces bouillottes, elles conservent leur chaleur que pendant 2 ou 3 heures après, quoi. Comment te dire ça, là? Elles deviennent frigides? Ah, oh, merci de l'avoir dit toi-même. Ah, je t'avouerai qu'en dépit de mes sentiments profonds envers Madeleine, il n'y a rien de plus déplaisant que de toucher une bouillotte froide. Alors quand au petit matin, à demi éveillé, je sens cette abomination glaciale sur mes pieds, là, je la balance en dehors du lit. Ah non, c'est bestial, hein. Plus tard, quand je me lève et que je vois la pauvre chérie inerte sur le sol, là, triste et solitaire. Là. Volkovitch se mit à pleurer. J'ai tellement honte de moi. C'est une véritable tragédie. Tant qu'elle est chaude, je me cramponne à elle. Dès qu'elle refroidit, je la rejette comme un chiffon à poussière. J'aurais jamais cru que je puisse devenir si cruel. Mais aide-moi, aide-moi. Mais qu'est-ce que je dois faire? Au milieu de la nuit, tu te lèves et tu la re-remplis d'eau chaude. Tu crois? Volkovitch se mordilla la lèvre inférieure. Peut-être que tu as raison. À 3h30, changerai l'eau de Madeleine. Ça restaurera notre bonheur. J'espère. Il me quitta d'un pas incertain. Je le regardais s'éloigner pensivement. Ouais. C'est un bon sujet de film. Nouvelle vague. Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre au soleil. Commença le fameux dimanche soir où ma femme et moi nous rendîmes visite au Spiegel. Et 2 heures durant, nous nous enquiquinâmes comme jamais. C'était exceptionnel. Parce que les Spiegel, Aurel particulièrement, sont des hôtes charmants et généreux. Mais on ne sait pas pourquoi la conversation se traîna, si bien que sur le coup de 10 heures, nous ne gardions les yeux ouverts que grâce à notre pouce et à notre index. Vers 10h30, mes doigts eux-mêmes étaient partis dormir. Je sentis le moment venu de rentrer dardard à la maison. Sinon, j'aurais même plus la force de réveiller mon épouse qui dormait. Rassemblant ce qui me restait d'énergie, je me levai et j'annonçai notre départ. Madame Spiegel tressauta dans son sommeil. « Mais vous ne pouvez pas faire ça!
Mais qu'est-ce qui vous presse tout d'un coup ? Ah, désolé, hein, dis-je, c'est que j'ai... Ah, vous savez, on doit partir là maintenant. Parce que j'ai quelque chose de très important à faire. J'ai un rendez-vous urgent. Ah, je regrette sincèrement, là, mais... Oh, ne sois pas stupide, Fiorel ! Ça peut bien attendre un moment ! Alors, crois bien que je préférerais rester avec vous. Mais là, malheureusement, nous devons nous dépêcher. Sinon, nous allons rater le dernier quart. À 11h ? Ah ben, un quart pour où ? Pour Petah Tikva. C'est là que nous sommes attendus, voilà. Je suis vraiment désolé. Hein. Pas au moins. Laissez-moi vous conduire jusqu'à l'arrêt des cars. Ah non, 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 c'est pas... Non, c'est hors de question. Ne donne pas cette peine. Mais Aurel, qui est la complaisance même, ne me laissa pas le détourner de son devoir et enfila son manteau. Il nous amena en voiture jusqu'à la gare routière. Quand nous descendîmes, je lui dis « Merci mille fois, merci, on s'appelle un de ces soirs. » Sur quoi nous prîmes à pied la route pour notre domicile. Mais ce brave cœur d'Aurel sauta de la voiture et nous courut après en riant. « Bah, blagueur ! C'est pas d'ici que part le car pour Petah Tikva ! » Alors il marcha avec nous jusqu'à l'arrêt, obscur et désert. Après avoir consulté le tableau d'affichage, il grommela « Zut ! Alors le dernier car est parti il y a 5 minutes. Oh, je suis désolé, vous allez rater ce rendez-vous urgent à cause de nous !» Non, oh, ça fait rien. Ça fait rien, je t'assure. Mais si ! Alors j'ai bien vu quelle importance t'y attache. Tu sais ce qu'on va faire ? Je vous amène là-bas d'un coup de voiture. Ah non, non, clamai-je en pleine panique. Non, c'est hors de question. L'hospitalité a quand même ses limites. Hein. Ça suffit ! Non, c'est Aurel. Si je vous amène pas à Petah Tikva, je pourrai pas fermer l'œil de la nuit. Bon, abrégeons l'histoire. Pendant toute la durée du trajet, ma femme et moi, à genoux sur la banquette arrière, regardâmes diminuer inexorablement les lumières de Tel Aviv en proie à un inexprimable désespoir. Puis, nous voici à Petah Tikva, baignés d'une glauque clarté lunaire. Où est-ce que vous voulez que je vous dépose ? Soki Aurel en étouffant un gigantesque bâillement. Je remis en marche les rouages grinçants de mon cerveau. La seule adresse que je connusse dans ce patelin de malheur était l'hôtel Greenspan, où un de mes créanciers avait jadis séjourné. Alors je demandai donc à Aurel de nous cracher devant le Greenspan. Nous sortîmes de la maudite voiture, remerciâmes chaleureusement Aurel pour son extrême gentillesse, puis pénétrâmes dans l'hôtel. Un morose portier de nuit nous accueillit. « Alors, vous dérangez pas, nous repartons tout de suite. » Il nous lança un regard suspicieux, tandis que dans l'immobilité la plus complète, nous attendions que la voiture reparte. Ma femme sursauta soudain et murmura « Il arrive ! Il arrive ! Il arrive !» La porte s'ouvrit. Aurel approcha d'un pas désinvolte, nous informant qu'il avait un peu froid et prendrait volontiers une tasse de thé chaud pour la route. Le portier, de plus en plus soupçonneux, me demanda « Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ? Qui, demandez-vous, au juste ? » « Hein ? Qui ? Moi ?» Alors on a un rendez-vous avec un certain je dois le voir de toute urgence. Comment s'appelle-t-il ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Comment il s'appelle ? Alors oui, là effectivement il a un nom. Tout le monde a un nom. Figurez-vous. Si ma mémoire est bonne, c'est Erskovitch. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Donc, est-ce que M. Erskovitch est arrivé ? Oui, il est ici, répliqua le portier. Chambre 23, je vais l'appeler. Je suis décontenancé. Ma femme, au bord du gouffre. Il décrocha son téléphone. M. Erskovitch, excusez-moi de vous réveiller, mais il y a ici quelqu'un qui insiste pour vous voir sans délai. Il tourna vers moi. Il demande à quel sujet ? Personnel, confidentiel. Quand le dénommé Erskovitch en pyjama, les yeux bouffis de sommeil, descendit d'un pas chancelant l'escalier, mon col devint brusquement trop étroit de deux tailles. Le front de ma femme s'emperla de sueur, elle lança un regard traqué en direction de la sortie. Seul Aurel dégustait sereinement sa tasse de thé. Erskovitch s'approcha à petits pas circonspects, mais soudain, son expression méfiante disparut comme par magie. « Mais salut, vieux frère !»
s'exclama-t-il. « Mais qu'est-ce que tu fiches ici ? Pour une surprise, toute surprise !» Ça s'adressait à Aurel. Les deux amis s'administrèrent quelques solides tapes dans le dos, cependant que nous examinions attentivement le plafond. À la fin, Aurel expliqua à Herskovitch que c'était nous qui étions venus le voir. L'homme me demanda cordialement, « Eh bien, que voulez-vous ? » Voilà. Alors voilà, voilà. Vous fumez ? Non ! Moi non plus. Autrefois, j'ai fumé la pipe. Mais là, mon docteur, il a... Qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien, monsieur Herskovitch, je suis intéressé. Intéressé par quoi ? Bah, vous savez bien. Les machines à laver ? Bah oui. Bah oui, les machines à laver. Les machines à laver. J'appelle tout de suite Neumann Adéa. Ah non, 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 pas maintenant. Non, 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 il est tard. On verra Neumann demain. Vous plaisantez ? Vous savez bien que Neumann, il part pour Milan à l'aube. Là-dessus, il téléphona, s'excusant auprès d'un Neumann furibond de le tirer du lit à cette heure-ci, indu, et lui expliquant que puisque l'homme venait d'arriver à l'instant de Tel Aviv, on pourrait aussi bien conclure l'affaire sur le champ. Quelques instants plus tard, Herskovitch revint à notre table, nous informa que nous partirions maintenant pour Adéra. Aurel ne verrait sans doute aucun inconvénient à nous y conduire. Dépassé par les événements, Aurel nous transporta à Adéra, où un Neumann qui n'avait pas le temps à perdre en mondanité plongea dans le vif du sujet. 30% des actions restaient à vendre. Étais-je acquéreur, oui ou non ? Eh ben... Alors, j'aimerais y réfléchir un peu avant de prendre une décision. À votre aise ! Neumann se leva. Juste pour me couvrir, je vais vous amener chez Weingartner. Il habite... Non, j'ai pas besoin d'aller chez Weingartner, non. Non, j'achète. Voilà, j'achète. J'achète. Après quoi, il me fallut signer quelques paperasses. Mais j'agissais dans une sorte de brouillard. Nous tirâmes ma femme du coma dans lequel elle avait sombré et raillâmes Tel Aviv aux premières lueurs de l'aube. En allant à mon bureau, je dépliai le journal et appris par un titre énorme en première page que le trust Neumann Kishon venait de fonder la plus grande usine de machines à laver de Adéra. L'usine tournerait à plein rendement et aurait au fait de fournir la totalité du Moyen-Orient. Jusqu'à ce moment critique, ma vie s'était déroulée dans le plus terne anonymat. C'est à peine si de temps à autre, j'avais réussi à éveiller un peu l'attention du public. Par exemple, j'avais écrit une monumentale encyclopédie de l'hébreu moderne qui avait été mentionnée dans la rubrique « Livres reçus » d'un magazine féminin. Ephraim Kishon, Encyclopédia Hébraïca, 24 volumes. Ensuite, si j'ai bonne mémoire, lors de l'un de mes voyages, j'avais conquis le Kilimandjaro. Et si seulement le correspondant de l'agence Reuters n'avait pas été grippé, on aurait sûrement parlé de moi à la radio. Quelques années plus tard, j'étais parvenu à composer la 10e symphonie de Beethoven, ce qui m'avait valu une critique condescendante dans la rubrique « Le coin des curieux » d'un hebdomadaire yiddish. Un autre grand moment de ma vie, après avoir découvert un remède au cancer, j'avais été reçu par le ministre de la Santé publique pour un entretien d'une quinzaine de minutes, interrompu par l'arrivée de la délégation ukrainienne, uruguayenne. Autre chose ? Ah oui. Dernièrement, m'étant voué à la recherche historique, ayant écrit la plus grande épopée du peuple juif à travers les âges, depuis le patriarche Abraham jusqu'à Golda Meir, un boulot de 4000 pages, j'ai été interviewé à la radio. Mais du point de vue de l'homme de la rue, j'étais un parfait inconnu. Et alors, arriva l'instant crucial. Le mardi fatidique, un jeune garçon s'approcha de moi dans la rue, un micro à la main, et me demanda ce que je pensais de la situation. Je répondis, « Ça va s'arranger !» Puis je vaquai à mes affaires et oubliai l'incident. Mais à l'heure du dîner, un hurlement à vous glacer la moelle
jaillit de la salle de séjour où les enfants mangeaient sur le tapis devant la télévision. Mon fils Amir surgit, tremblant de tous ses membres. « Papa ! Papa ! Papa à la télé ! À la télé ! Papa ! Télé ! Papa !» Cet enfant devenait hystérique. Nous appelâmes le docteur. Quand il arriva, il se mit à hurler dans l'escalier. « Mais je vous ai vu ! À la télé ! Ça va s'arranger !» Il me revint alors à la réflexion qu'un second jeune type se tenait là avec une espèce de caméra pendant que l'autre m'interrogeait sur la situation générale. Le téléphone sonna. « Merci, merci !» halta une vieille dame de Jérusalem dans le récepteur. « Merci, merci, au nom de l'humanité !» La première gerbe de fleurs me fut envoyée par un secrétaire d'État de la Knesset. Un mot y était joint. « J'ai été profondément ému par votre réconfortant optimisme. Je vous souhaite le succès dans toutes vos entreprises. » Il demandait par la même occasion deux photos dédicacées. Puis les voisins arrivèrent et, plantés contre mes murs, m'admirèrent pendant de longues heures. Les plus audacieux s'approchaient, touchaient le revers de mon veston, puis s'enfuyaient, bouleversés d'émotion. En fin de soirée, arriva de Haïfa un ingénieur du Technion pour vérifier que j'existais vraiment. « Mais c'est exactement ce que je pensais! Vous aussi, vous croyez que ça va s'arranger, hein ?» Ce furent des jours de folie glorieuse. Le moment merveilleux où se réalisent enfin tous les rêves de l'adolescence. Lorsque je passais dans un lieu public, les gens chuchotaient admirativement derrière mon dos dans un agréablement bruit de ruche. Regardez-le. Là, c'est lui, le type de mardi. Dans certains magasins, il arriva même que des vendeuses me dévisageassent, pâlissent et tombassent évanouies. Les femmes, qui jusqu'à maintenant ne m'avaient manifesté qu'indifférence, eurent en me regardant des promesses dans les yeux. Sans parler des fleurs. Même l'attitude de ma femme en fut changée. M'éveillant une nuit, je la trouvais penchée sur moi, me contemplant, comme si elle me voyait pour la première fois. « Éphraïm, soupira-t-elle. De profil, tu ressembles à Ringo Starr. » Je changeai moi-même considérablement. Mon pas fut plus martial. Mon assurance s'amplifia. Selon ma mère, j'avais grandi de plusieurs centimètres. Je pris l'habitude de commencer mes phrases par « En ma qualité d'homme qui a parlé à la télévision voici quelque temps, je pense... Après tant d'années de frustration et d'échecs, après tout ce temps perdu en idiote encyclopédie, ridicule symphonie et minables épopées, il était très naturel que je fusse intoxiqué par l'odeur enivrante du succès immédiat. D'après un statisticien distingué, j'avais été vu ce mardi-là par tous les habitants du pays, à l'exception d'un certain Shlomo Milstein. Ce citoyen non conformiste m'avait raté à cause d'un fusible défectueux. Je reconstituai toute l'interview à son bénéfice dans une lettre personnelle. On peut raisonnablement estimer que ma rue sera rebaptisée rue de l'interview ou alors avenue du petit écran ou quelque chose de ce genre. Bah, à tout hasard, j'ai fait imprimer de nouvelles cartes de visite. Éphraïm Kishon, que l'on a vu à la télévision nationale, ça va s'arranger le 23 Eshvan 5529. Ces cartes me sont bougrement utiles à présent, car les foules ingrates semblent m'oublier peu à peu. Ça m'a fait un choc. Maintenant, il arrive fréquemment que les gens regardent à travers moi, comme si j'étais un écrivain ordinaire, et pas un de ceux qui sont passés sur l'écran. J'ai écrit à Jérusalem pour savoir s'ils n'envisageaient pas une reprise de l'émission, un de ces jours. Mais il semble que non. Je cherche inlassablement les endroits où des caméramans sont susceptibles de se trouver, mais j'ai guère de chance. Un soir, que j'étais à l'opéra, des reporters sont venus dans ma direction. Mais au dernier moment, ils ont filmé un type qui se curait le nez. Alors, je me suis empressé d'en faire autant.
mais trop tard. Je suis désespéré. Avant-hier, on m'a informé que je venais d'obtenir le prix Bialik. J'ai demandé s'il y avait un reportage télévisé. On m'a répondu que non. J'y suis pas allé. Une femme qui fait des ménages à la télévision m'a promis de me pistonner pour devenir figurant dans une nouvelle série. Faites vos jeux. J'attends avec impatience. J'ai hâte de redevenir quelqu'un. Merci. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Je voudrais juste remercier Léna Bréban qui a mis en scène cette lecture. Anne Rothenberg qui l'a initiée et le Front Social Juif Unifié qui s'occupe de cette soirée. Et aussi le Centre Rachi. Et par le hasard du calendrier, c'est l'anniversaire de l'indépendance d'Israël aujourd'hui. Pas tout. J'imagine que vous allez peut-être dire un mot. Pas tout à fait un hasard, effectivement. Pas tout à fait un hasard, voilà. Cette date était choisie justement parce que c'était le Yom HaAtzmaout, donc le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. Merci Olivier Sitruk d'avoir accepté de jouer le jeu avec nous. Et je voulais également remercier Léna Bréban qui a mis en scène et effectivement Anne Rothenberg qui est la directrice artistique de ces soliloques de Rachi. Les rencontres qui sont organisées, les rencontres avec la culture israélienne qui sont organisées ces quelques jours autour du 75e anniversaire de l'État d'Israël se poursuivent. On a demain la projection d'un film qui s'appelle Barbecue People et qui tourne autour justement du jour de l'indépendance. On a le 2 mai Yonatan Avishai qui vient, alors pas jouer du piano, mais en scène, il a fait un seul en scène autour de sa vie, autour de son amour du piano. Et le 4 mai, on a Anat Moscovici, qui est une artiste israélienne, une chanteuse israélienne, qui va nous faire un concert autour des grandes stars israéliennes et de leur création de ces dernières décennies. Voilà, il y a une exposition dans la galerie. Avant de partir, tranquillement, si vous voulez la voir, c'est une exposition de photos de Raphaël Pérez qui est dans la salle et qui peut aussi vous parler un peu de ses photos et qui reprend les grands artistes israéliens de jazz qui ont parcouru, qui ont été proches de Raphaël et qu'il a pu rencontrer. Voilà, merci. Merci encore, Olivier, et à très, très, très bientôt.